Bonjour, dans cette capsule méthodologie numéro 4, nous allons voir comment faire une enquête par entretien. L'enquête par entretien est utilisée dans le cadre d'une enquête pour recueillir oralement des données quantitatives ou qualitatives sur une population qui est restreinte. Dans le cadre d'un entretien directif, l'enquêteur a une liste de questions précises à poser. Les informations recueillies sont principalement quantitatives. L'enquêteur complète un questionnaire. Ce type de recueil de données peut se réaliser en face à face ou à distance, par exemple par l'intermédiaire du téléphone. Des exemples d'entretiens directifs, des sondages ou des enquêtes de satisfaction. L'enquête par entretien semi-directif. Dans un entretien semi-directif, l'enquêteur a une liste de thèmes à aborder, notés sur un guide d'entretien. Les questions sont donc formulées au fur et à mesure et s'adaptent aux réponses de l'enquêté. Les informations recueillies sont principalement qualitatives. Les réponses sont soit prises en note, soit enregistrées. Il est préférable que l'enquêteur et l'enquêté soient en présence, isolés dans un lieu fermé et calme. La proximité des intervenants permet, grâce au paralangage, c'est-à-dire au langage non-verbal, les gestes, les mimiques, etc., d'avoir une meilleure interprétation des réponses. Point complémentaire sur comment réaliser un guide d'entretien. Le guide d'entretien recense les thèmes à aborder qui ne sont pas obligatoirement formulés sous la forme de questions. Il faut prévoir également des feuilles de notes. Dans le cas où l'entretien est enregistré, il faut demander l'autorisation de la personne enquêtée.